Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur ma chaîne Carte Oracle 17. Les amis, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage du jour du mercredi 4 octobre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors, le 4. En 4, on peut avoir l'impression de blocage, de retard, de difficultés en tout genre. En fait, le 4, quelquefois aussi, il nous permet de nous dire stop, t'es pas dans la bonne direction. Est-ce que tu es sûr que tu as pris la bonne décision aussi, hein? Professionnellement, en 4, on doit bien entendu redoubler d'efforts. Alors, c'est un bon chiffre, mais si on se donne la peine d'y arriver, en fait, en deux mots, il ne faut pas avoir peur de retrousser ses manches. Côté sentimental, là, on est dans la relation sereine, sincère. On est vraiment dans la perspective d'une relation solide. Alors, côté positif de notre 4, bien entendu, on est bien ancré. On est travailleur, logique, réaliste. Côté négatif, eh bien, on peut manquer un peu d'imagination. On peut aussi camper sur ses positions, c'est-à-dire être froid aussi, hein. Froid, sérieux, matérialiste, vous voyez. Alors, notre mercredi associé à Mercure, la communication, les échanges, hein, les prises de décision également, les négociations. Couleur associée à notre mercredi, le vert et le multicolore. Allez, c'est parti. Message mise en garde avec augure noir. Mercredi 4 octobre. Hop, allez, un message. Incipi, je crois qu'elle est sortie déjà. Je ne sais plus si c'est pour lundi ou mardi. En fait, c'est le démarrage de quelque chose qui peut-être a été commencé. Il n'est pas encore fini, les amis, tout simplement. On est sur le démarrage, sur une page qui s'ouvre. Sur un événement, une nouvelle histoire aussi, hein, tout simplement. Hein. Un nouvel un rebondissement sur quelque chose aussi. Hein. Je pense que là, on est un heureux rebondissement. Vous pas hésiter aujourd'hui à formuler donc ces envies, ces désirs. Hein. Côté sentimental, bien sûr, on est sur un démarrage d'une nouvelle histoire, tout simplement, qui peut être et qui sera belle et longue. Si on est en couple, eh ben, on prépare peut-être un nouveau chapitre. Si on est seul, émotionnellement, peut-être avons-nous décidé de nous lancer dans quelque chose de nouveau. Financièrement, on a peut-être une rentrée d'argent, là, quelque chose de nouveau qui va arriver, ou ça peut être aussi une nouvelle habitude, en tout cas au niveau de la dimension matérielle, il va y avoir quelque chose qui va s'avérer positif. Côté travail, on est peut-être sur un nouveau poste, un nouveau collègue, quelque chose de nouveau qui fait son apparition aussi, hein, mais qui va être de toute façon favorable. L'univers vous dit qu'on a un nouveau cycle là qui fait son apparition. Peut-être un nouveau chapitre de l'histoire, d'une page d'histoire de votre vie. En tout cas, la situation va devenir favorable. Voilà les amis, c'est plutôt un beau message. Hein. Allez, on va regarder un petit peu avec notre jeu de 32. Jeu de 32 pour notre mercredi 4. On a bien quelque chose de nouveau qui démarre là, regardez ça. Beaucoup d'émotions, peut-être beaucoup d'émotivité d'ailleurs, un peu d'instabilité à cause de quelque chose de nouveau. Il peut y avoir peut-être une grossesse qui n'est pas très bien perçue aussi autour de vous, ou pour vous d'ailleurs. Hein. Alors, on voit très bien qu'il y a quelque chose qui prend fin, qui va permettre un changement, une page se ferme, une autre s'ouvre. Avec ce 9 de cœur, c'est vraiment la carte la plus belle. Donc, on a vraiment quelque chose, là, on a un nouveau départ. Quelque chose de joli qui prend forme. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Et nous avons au dos
du courrier qui arrive, les amis. Une lettre, un écrit, en tout cas, qui va vous contrarier un petit peu là. Hein. Il y a une validation, il y a quelque chose qui arrive, avec certitude, en tout cas. Une contrariété sur un papier administratif. Bon, ça concerne quand même de très bonnes nouvelles. Hein. Alors, je pense que là, c'est de courte durée, la contrariété, hein, n'est-ce pas? Peut-être plus une prise de conscience de quelque chose. En tout cas, on a la carte la plus forte. Hein. De très bonnes nouvelles arrivent dans les papiers administratifs, là. En dominant, nous avons... Ouh, mais dites-moi, il y a des projets, là. Projets sentimentaux, projets, tout simplement, quelle que soit la situation, mettez-le à votre sauce. Des projets sont là. Avec votre homme de cœur, avec un homme qui compte pour vous, des beaux projets sentimentaux peut-être pour certains. Nous avons ici, c'est peut-être le même homme, la même personne, quelqu'un qui compte beaucoup pour vous, qui est peut-être plus jeune que vous, autour de vous. En tout cas, on a une situation en lien avec une personne jeune. On est bien sur un nouveau départ. Vous pouvez aussi apprendre peut-être une grossesse. Tout simplement, cet homme qui vous annonce une grossesse. Nous avons un nouveau départ qui peut être de l'ordre sentimental, émotionnel pour vous. Un face-à-face, là, il va y avoir un rendez-vous, là. Hein? Waouh, dans la maison, on va se retrouver tous, là, en famille, peut-être avec votre fils, votre petit-fils qui vous a annoncé justement une grossesse, un nouveau départ, une nouvelle situation. Peut-être aussi que c'est en lien avec votre papa. Nous avons bien une situation familiale avec de la famille peut-être qui habite un peu plus loin que chez vous. En tout cas, une situation avec de la famille éloignée peut-être également. Un nouveau départ aussi qui est peut-être lié avec une autre ville, un autre département, une autre région. Attention, au niveau familial, vous avez au lointain autour de vous des gens pas sympathiques, mais vous devez déjà le savoir de toute façon, ou une situation des plus trompeuses. Attention autour de cet homme, donc belle-sœur, belle-fille, belle-mère, je ne sais, mais attention, il y a un homme qui est mal accompagné là. Peut-être que c'est cette même personne d'ailleurs, hein. Peut-être un homme aussi qui peut être faux. Bon, vous avez en tout cas la réussite dessus, vous avez le dessus, les amis. Trois as, dites-moi, hein. Nous avons une très belle réussite concernant un domaine. Bah, si c'est familial, en tout cas, il y a quelque chose de juridique là. Hein. Nous avons une très belle réussite sur des projets, sur un élément nouveau qui touche la famille, un nouveau départ. Nous avons quelque chose de plutôt beau. Nous pouvons avoir aussi le médecin pour votre maman, mais en tout cas, il y a une réussite. Hein. Pour aussi les parents, ça peut être le couple. Maintenant, ça peut être également vous, veuve célibataire, plus de la cinquantaine. Eh bien, il y a quelque chose de toute façon qui va se faire, qui va s'acter. Et ça peut être également pour dans le domaine professionnel, si vous avez fait des démarches ou en lien en tout cas avec le travail, eh bien, il y a une très belle réussite pour vous, les amis. Dites-moi, c'est plutôt un beau tirage pour aujourd'hui. Les projets sont là, des projets très officiels. Hein. Bon, il y a une petite bisbis autour de l'homme officiel. Après, ça peut être tout simplement des démarches, quelque chose qui coince un peu ou y a eu de la trahison. Hein. On va la recouvrir de toute façon. Un face-à-face, en tout cas, qui va avoir lieu. Pour un face-à-face peut-être aussi amical, avec quelqu'un qui compte beaucoup pour vous. En tout cas, pour un couple aussi. Nous avons la famille qui est là. Il y a une belle histoire de famille, en tout cas, pour démarrer quelque chose également de nouveau. Nous avons aussi le côté professionnel qui est là. Est-ce que vous allez peut-être être enfin à la maison, vous acter quelque chose, une fin de travail, par exemple? En tout cas, c'est une belle réussite, hein, pour un nouveau départ. Hein. Alors, j'en mets une sur le valet de pique. C'est un changement. Vous allez quitter tous ces gens méchants, tous ces gens pas bons. Donc peut-être pour certains, effectivement, on quitte une activité professionnelle. Pour d'autres, il y avait peut-être aussi associés. On travaillait peut-être ensemble avec la famille. Hein. Bon, je pense que des choses vont être réglées également. On voit un nouveau départ, en tout cas, c'est un beau projet là. Vous avez un joli nouveau départ, les amis. Famille, travail, émotionnel. Nous avons, il y a un homme officiel qui habite au lointain. En tout cas, une situation du lointain, autre ville, autre département, autre région, eh bien, vous avez le dessus. Vous avez le dessus sur des gens pas sympathiques ou une situation
pas sympathique qui concerne un changement, vous avez la réussite. Vous avez un beau face-à-face qui va se faire, en tout cas, par rapport au domaine professionnel ou l'activité du moment. Il y a une rencontre peut-être avec votre chéri, qui est peut-être la même personne d'ailleurs, ou bien tout simplement votre papa. En tout cas, ici, il y a également vous, veuve célibataire, plus de la cinquantaine, ou votre maman, une situation familiale, peut-être un regroupement de famille. Voilà les amis. Allez, on va regarder avec l'oracle de miroir pour mercredi 4 octobre. Bon, ça veut parler, hein? Mercredi 4. Et à la coupe, nous avons, ben nous retrouvons cette grossesse pour certaines personnes, ou bien un nouveau départ. Dans la maison, il est bien question de grossesse, de nouveau départ. Un événement nouveau qui va démarrer, là, les amis. Hein. Incipit, il n'est pas tombé pour rien. Hein. Une situation, en tout cas, qui vous a mis mal, peut-être, ou bien que vous vous culpabilisez, parce que peut-être que vous partez, vous quittez, vous prenez de la distance avec la famille, la maison. Peut-être aussi que c'est par rapport à une situation familiale. Peut-être aussi qu'il peut y avoir une grossesse autour de vous qui vous travaille un petit peu. Peut-être pas forcément la bienvenue. Allez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Hop. Alors, regardez ça, le miroir magique, on ne regarde pas derrière, c'est la carte la plus forte, magnifique. Nous avons, hein, il y a bien le démarrage de quelque chose les amis, hein. Ou en tout cas, il y a une situation en lien avec de la nouveauté, de la légèreté, peut-être même en lien avec un enfant. Bon, en tout cas, il y a bien un nouveau départ concernant le financement, l'argent. Je ne sais plus où j'en suis. C'est officiel, c'est acté, les amis. Il y a une officialisation. Vous êtes protégés, et de toute façon doublement, puisque regardez ça, au dos, nous avons le miroir magique, et dans votre jeu, vous avez la protection. Vous êtes protégés de tout ce qui peut se passer de négatif autour de vous, les amis. Oh, bah alors, à un moment donné, peut-être qu'on ne s'est pas senti bien non plus, hein. Peut-être, pour certaines personnes, il y a aussi un problème de santé qu'il va falloir résoudre également. Ça vous a pas mal miné. Hein. Après, les soucis d'argent, forcément, ça... Mais ça nous met dans des situations très mal. Hein. Bon, on voit que c'est en lien avec le travail, pour certains aussi. Accident de travail, arrêt de travail, perte d'argent au niveau du travail par rapport peut-être justement à un souci de santé. Pour certains autres, vous faites un gros travail sur vous-même. Pour cette situation, les événements vont tourner en votre faveur, qui vont être perçus comme un cadeau, les amis. Hein. C'est un grand oui pour vous. Vous avez vos rêves qui vont se mettre en place. Il y a une situation également en lien avec la maison, la famille, votre foyer, votre cocon aussi. Certainement, enfin, peut-être une reconnaissance de travail, d'arrêt de travail, d'arrêt de travail professionnel. Vous voyez, une reconnaissance en fait. Hein. Et certainement qu'on va se sentir beaucoup mieux chez soi. À l'intérieur de soi également, ça a mis du retard, mais ça va arriver. On voit qu'il y a un nouveau départ hein, autour de vous, là, sur une situation peut-être burn-out, un problème au niveau du travail. Ça a mis du retard, ça vous a peut-être aussi coûté de l'argent, ou on vous doit de l'argent. En tout cas, il y a un grand oui pour vous, vous allez vous retrouver bien au niveau de votre intérieur, perçu comme un cadeau au niveau de la santé, vous allez vous retrouver protégé. On va démarrer quelque chose de nouveau, parce que ça va être acté, très officiellement d'ailleurs. Hein. On va pouvoir se ressourcer, se retrouver mieux, puisqu'il y a cette main tendue de cadeaux qui arrive là. Pour certains autres, il y a peut-être eu un nouveau départ aussi au niveau maison, famille, foyer.
a peut-être eu des problèmes d'argent à un moment donné, mais on voit qu'il y a un litige qui va être réglé. Il peut y avoir une petite rentrée d'argent également, hein. Allez, j'en mets une sur enfermement et accusation. Enfermement, vous allez prendre la parole, vous allez certainement dire enfin les choses telles qu'elles sont. Et voyez, on va acter quelque chose là. Il y a quelque chose qui va être acté. Donc, on vous a peut-être rendu responsable. Ça peut être au niveau du travail également, hein, par rapport sans doute à un accident, un problème de santé, à votre maladie. On a essayé sûrement de vous rendre responsable. Mais de toute façon, il y a quelque chose qui va être acté, les amis. On voit que c'est un grand oui à la protection. On voyait bien qu'il y avait tout à l'heure le miroir magique. Et vous allez retrouver une certaine tranquillité à l'intérieur de vous ou dans votre foyer également. On voit bien qu'on se sépare de choses désagréables. Voyez, vous savez, la victoire. Allez, on va regarder avec Monsieur Béline. Monsieur Béline, mercredi 4 octobre. Mercredi 4 octobre 2023. Monsieur Béline. 4 octobre 2023. Regardez ça, les amis. Le changement, il est là. Il va arriver. On va vous amener les outils. On va vous amener de quoi ouvrir les nouvelles portes. On va vous amener des solutions. Nous avons l'éclaircissement, les lumières. La lumière fut. Vous allez recevoir des informations, hein, par rapport à des litiges qu'il y avait peut-être eu. Ou alors on parle. Vous allez peut-être aussi vous rendre compte qu'on parle dans votre dos. On s'en fiche parce que de toute façon, on va vous donner les solutions, la solution sous forme d'un contrat, d'une situation pour laquelle vous avez un bel appui. Peut-être allez-vous aussi être aidé, entouré d'un homme. C'est vous qui avez peut-être aussi une mentalité, on va dire maintenant, prendre à bras le corps, vous voyez, un état d'esprit masculin. Mais ça peut être aussi pour vous, mon consultant, bien entendu. En dominant, on a, eh ben, alors, il y a eu certainement par le passé de l'arnaque, mais on a vu qu'on avait parlé dans votre dos, une situation peut-être de gruge aussi, hein. Ben, ça va prendre fin, les amis. La situation va prendre fin. Beaucoup d'émotions, beaucoup d'amour, de sensibilité dans la famille. Une situation familiale, en tout cas, hein. C'est bien la maison qui est concernée, hein. Il va y avoir beaucoup d'émotions au niveau famille, au niveau maison, là, hein. Peut-être que pour certaines personnes au sein de la maison, il y a de la méchanceté encore, de la jalousie. Mais il va y avoir une main tendue, les amis. On va vous apporter l'aide qu'il faut pour ce repos bien mérité. Nous retrouvons, hein, ce repos bien mérité pour certaines personnes, hein. Convalescence aussi pour d'autres. Regardez, il y a du mouvement, ça bouge. Vous allez peut-être aussi avoir une convalescence, effectivement, en dehors de chez vous, mais qui va vous permettre de retrouver un bien-être intérieur. Eh oui, regardez, il y a un départ, hein. Les choses bougent, en tout cas, les amis. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. J'ai dit que ça pouvait être en lien avec le travail pour certains, l'activité du moment, votre activité professionnelle aussi pour d'autres, hein. C'est vous, ma consultante, qui êtes concernée. Et c'est une franche réussite. Certains, peut-être, ont demandé un arrêt de travail, ont demandé une convalescence. Ont eu un accident, on a pu le voir tout à l'heure. Maintenant, il y a la convalescence qui avait peut-être posé problème, litige avec l'employeur. Peut-être aussi, vous demandez à arrêter de travailler pour votre retraite, par exemple. On voit que peut-être ça ne se passe pas tout bien, on essaie de vous arnaquer, on est d'accord. Mais que de toute façon, vous vous sentez très bien
à l'intérieur de vous, voire votre chez vous également. Et donc, il y a une franche réussite émotionnelle puisque vous allez partir et vous êtes heureuse. Les choses vont prendre fin pour vous. On va peut-être retrouver sa famille également. Peut-être qu'on va, pour certains autres, s'éloigner un peu de la famille parce qu'il y a eu de la méchanceté, de l'arnaque, du vol, mais de la jalousie. Bon, on a peut-être envie de partir. Alors, j'en mets une sur vol, méchanceté. C'est tout. Alors, c'est peut-être en lien avec un héritage. Maintenant, l'héritage, ça peut être aussi ce que vous avez appris au fil du temps. Permet d'en savoir un peu plus, hein, quelque part, d'être bien éclairé également et surtout agir de telle ou telle manière. Et la méchanceté, elle ne vous touchera pas, les amis. Si vous avez méchanceté, jalousie au niveau professionnel, par rapport justement à un repos bien mérité, elle ne vous touchera pas. Beaucoup d'émotions avec une belle réussite. Allez, on va terminer avec une petite carte. Et je vais prendre pour cultiver la joie de vivre. Allez, colorée, jaune, pleine de bonne humeur. Pour cultiver la joie de vivre. Hop, et c'est parti. On démarre avec nos amis Cancer. Cancer, je vais revoir un spectacle ou une œuvre d'art que j'ai particulièrement aimée. Ce faisant, on renouvelle le plaisir et on alimente de nouveaux aspects, de nouveaux détails que l'on n'avait pas vus la première fois. Scorpion, je change d'itinéraire pour rentrer chez moi. La vie quotidienne est jalonnée d'habitudes qui ne laissent pas de place aux joies simples. Il suffit de changer de route, d'acheter le pain dans une autre boulangerie, d'aller faire ses courses à une heure inhabituelle pour sortir de cette usure routinière et se retenter de joie les actes simples banals. C'est vrai, changer simplement des petites habitudes comme ça. Bélier, j'organise un dîner à thème. Tout fromage, tout fruits de mer. On peut ainsi s'appliquer à goûter avec beaucoup d'attention les mets que l'on aime particulièrement. Les comparer, les humer. En partageant ce plaisir avec des convives, on décuple volupté, connaissance et convivialité. Je planifie une visite dans un lieu dont je rêve depuis toujours. C'est ainsi que l'on devient régulièrement son propre bon génie. Le plaisir est toujours entaché de culpabilité. C'est pourquoi trop souvent nous le refusons, alors qu'il est si simple et si agréable de l'organiser avec sérénité, en s'y autorisant pleinement. Nous y avons tous droit. Taureau. J'ose pratiquer une activité artistique. Aussi peu doué soit-on ou croit-on l'être, créer est une source de plaisir inépuisable. Il ne s'agit pas d'y exceller, mais de s'y adonner. Le but n'est pas la qualité de l'œuvre produite, mais la joie que l'on a prise à la réaliser. Lion. Une fois par mois, je m'offre une profusion de fleurs et j'en mets partout dans la maison. Une manière de fêter son appartenance au monde, son lien inaltérable avec la nature, son plaisir d'être vivant en offrant un décor simple et somptueux à la joie de vivre. Verseau. Je consacre tout un dimanche à choyer mon corps. Ce serviteur fidèle mérite nos soins. Offrons-lui un peu d'exercice, un gommage, un massage, un bain de vapeur. Organiser une journée entière à son service. C'est une façon de le remercier de toute la joie qu'il nous procure. Capricorne. Je passe une journée avec un enfant. En partageant ses plaisirs d'un jour, on réveille l'enfant joyeux tapi au fond de soi. Sagittaire. Je bannis de mon vocabulaire les mots qui font mal. Sans nous en rendre compte, nous prononçons parfois des petites phrases assassines. Tu vois bien que j'avais raison. Tu l'as bien cherché.
Par la négativité qu'elles recèlent, elles font mal autant à celui qui les dit qu'à celui qui les reçoit. Gémeaux. Chaque samedi, je fais la liste des petits plaisirs que je me suis octroyés dans la semaine. Si notre liste est trop courte, mettons à profit le week-end pour rattraper le temps perdu. Comme tout à chacun, nous avons besoin de récompenses et de gratifications. Poisson. Je garde la vie d'un œil, je regarde la vie d'un œil curieux. Efforçons-nous d'être comme les grands peintres, toujours à l'affût d'un sujet nouveau. Rien de ce qui existe ne les rebute, parce que leur œil exercé perçoit la parcelle de merveilleux qui habite toute chose en ce monde. Balance. Je suis pleinement présent à ce que je fais. La tâche la plus humble, si elle est accomplie avec attention et respect, apporte une vraie satisfaction proche de l'euphorie. Est-ce à ce que l'on fait, c'est tout, c'est être, tout simplement, on va la refaire, hein? Être à ce que l'on fait, c'est être, tout simplement. Vierge. Je cultive l'amitié des gens, gais et optimistes, ils sont un cadeau pour moi. Profitons-en pour les imiter, en pensant au bien qu'ils nous font. On comprend à quel point on peut répandre la joie autour de soi si l'on devient comme eux. Voilà les amis, j'espère que ce tirage du jour du mercredi 4 octobre 2023 vous aura parlé, vous parlera, ou vous aidera, vous guidera. Merci pour votre présence, votre fidélité. Merci pour votre gentillesse. Je vous souhaite pour ma part une excellente journée et je vous dis à demain.